Vous avez déjà entendu parler des youtubeurs ou des youtubeuses. C'est un métier, je sais pas. Est-ce que ça mène à un métier, youtubeur dans la vie? Oui, ça mène à un métier dans la vie. Regardez cette youtubeuse américaine, oui. Anastasia Saw, qui faisait des tutoriels de beauté, comme beaucoup de youtubeuses. On en avait parlé dans Télématin. Il y a 11 millions de personnes qui la suivent. Donc forcément, les marques sont venues la voir en lui disant « Est-ce que vous pouvez faire la promotion de nos produits ?» Et puis elle s'est dit « C'est bien, un certain un moment, mais qu'est-ce que je peux faire de toute cette notoriété? Eh bien, elle a lancé sa propre marque aujourd'hui, et ça arrive en France, et c'est devenu une businesswoman. Donc, comme quoi, finalement, derrière toutes ces youtubeuses, il y a certaines qui... Oui, alors ça marche pour le cosmétique, est-ce que ça peut marcher pour d'autres produits? Mais à mon avis, ça marche aussi pour tout ce qui est fooding, gastronomie, oui. Certains peuvent lancer un restaurant... La mode, non? Et la mode également, bien sûr. Bon, on va les suivre, mais 11 millions, c'est énorme.